Oui, bonsoir, vous avez votre carte du membre du club? Eh oui, c'est pour entrer, monsieur, il faut être adhérent. Alors, c'est 300 000 euros l'adhésion. Et après, ça vous donne droit à une entrée à 150 euros avec une mignonnette de champagne. Donc, ce soir, on stream un jeu fait par Douyong. Je ne sais pas qui est cette boîte, à part que, apparemment, elle a beaucoup aimé les Redines. Et qu'elle s'est dit. Je vais faire le mien à ma sauce. Je me coupe juste le son sur le retour, car aux joies, aux bonnes réponses, eh bien, j'ai le son qui refonctionne à nouveau. Les gens qui suivent les streams savent très bien que j'ai des problèmes avec le saccade de... Oh, qui déconne des fois, sur mon retour en particulier. Allez, assez tourné autour du pot, allons faire la peau à ces vilains oiseaux. Qui craignent mes appos. C'est magnifique ce que je dis. Je pense que je devrais faire plus de Polynésie, comme disait Paul-Émile Victor. 14 crédits, ça devrait suffire. Piu-piu-piu-piu. Rappel de circonstances toujours, jeu en émulation, donc un poil plus rapide que la ROM d'origine, vous pardonnerez mes erreurs de pilotage qui risquent d'être un poil fréquentes et ne seront pas uniquement dues à l'heure tardive dans laquelle. Et réaliser ce stream. À laquelle est réalisé ce stream. Putain, j'ai toujours une élocution. Je viens bien de ramasser une souris. Vous pourrez voir ça sur le replay. J'ai ramassé une souris donc, ok. Non, mais je suis capable d'admettre, moi, absolument tout. Vu les jeux que j'ai éclusés depuis le temps, je ne pourrais pas être surpris par une souris. Bien entendu. Pour l'instant, tout se passe bien. On a du pattern. Qui s'enchaîne, mais jamais très scientifique, ça va. Sauf cet hélico qui est un peu casse. Ouin, ouin. Et qui a beaucoup de cousins, pardon. Non, mais je repars avec un piou-piou en plus. Alors, moi je pense que ça a été fait par un studio chinois pour être aussi peu équilibré sur le gameplay, alors que c'est plein de bonnes intentions. Tiens, mange. J'avais pas essayé ma super bombe, fallait que ça arrive. J'ai cru que le truc vert c'était à ramasser. Ouh, de justesse. Non mais si tu fais de la merde en plus, mon ami, tu n'arriveras pas à avancer dans ce damné jeu qui n'est pourtant pas si compliqué. Je vais me gratter le nez. Mais non, ça s'appelle de la mauvaise volonté. Allez, on va céder un petit peu parce que je sens que c'est mal barré pour eux. Je pense pas qu'ils vont se suicider en fait, les bestiaux là. Donc autant que je le fasse, moi, que les aide un petit peu. Ah, le fameux laser. J'ai ramassé une souris, je peux donc ramasser en toute quiétude une vache, ça ne choquera personne. Et puis de toute façon, les vaches, c'est très à la mode en ce moment. Je sens que je vais avoir un gros problème. Hein. Ou un problème nombreux, je ne sais pas. Et je commence à être un peu saturé par les boulettes. Et oui. Donc le principe du gameplay là, c'est ne pas se faire remplir l'écran. Et vite adopter un profil bas qui vous permet de choisir vos victimes avec parcimonie. Notamment détecter celle qui va vous pourrir l'intégralité de votre espace de déplacement avant toutes les autres. Bon là je balance de la bombe parce que j'ai pas l'intention de faire un full run du jeu. Hein, vous l'aurez compris. On va se taper un nouveau petit boss, puis on aura fait le tour sur ce jeu qui est très potable du coup. Et donc je vous recommande pour les bonnes soirées salon, copains, pizza, canap. Je pense qu'il fera très très bien son taf. Un peu minable mon tir quand même. Hein. Oh, ce pattern de. Attends, refais-le moi celui-là parce que c'était quand même un pattern de. Heureusement que j'ai pas dit l'adjectif parce que ça allait être le premier qui me sortait de l'esprit et il allait être particulièrement dégueulasse. Ah, c'est quoi ce pattern en spirale quoi. En spirale qui se resserre, c'est ça le pire. Qui s'agrandit, c'est encore gérable. Et qui se resserre, c'est un effort que mon cerveau primitif n'est pas trop capable de gérer. Quoi. Je reviens quand même sur le fait que je vous avais promis de faire des streams qui parleraient de shmup et de géopolitique. Hein. Donc aujourd'hui, on va se consacrer à un pays dont on ne parle pas assez, c'est le Krevlachistan. Non, c'est une rigueur. Non, mais que dire d'autre pour meubler en attendant? Pour l'instant, j'ai aucun défaut à dire sur ce jeu. Il est super propre. Il a juste ce problème de jouabilité. C'est genre, on va repartir avec un pistolet à bouchon
Bon, ce truc qui ressemble à un boulevard à 1 heure de sortie de bureau, c'est un peu gênant. Bon, il balance généreusement du coup des bonus pour se rééquiper rapidement, mais et puis là je viens de prendre un bonus vitesse. J'ai des regrets. Pour la peine, je vais manger un petit lapin. Hop, voilà. Je mange des lapins, des rats, une fois donné, ils font pour être complet. Bon, le truc dommage, c'est que j'ai l'impression que ce jeu tient. Oh là là, mais mon vaisseau va 40 000 fois trop vite. Je bouge à peine le stick, je me balade de 30 en 30 pixels. Plus loin, toujours plus haut. Bougez pas les gars, hop, c'est pour vous. Eh oui, c'était pour vous. Je l'ai fait importer de... Mazette, quelle vivacité. On se tire. Il rebondit sur le bas de l'écran pour repartir en haut. J'avais pas vu ça souvent, moi. Je crois que je l'ai même jamais vu de ma vie. Oh là là, ma hitbox est énorme. Alors pour les novices, je rappelle que les hitbox, ce sont les quelques pixels que le programmeur détermine comme espace vital de votre vaisseau qui ne doivent absolument être à aucun prix toucher un serpent par un projectile. Et en général, sur les shoots qui sont un peu compliqués et évolués, on vous fout des hitbox toutes petites pour que vous puissiez faire des slaloms de ouf dans des patterns qui ne sont pas moins. Mais sur les shmups un peu antiques, c'est vrai que souvent on se retrouve avec des hitbox grosses comme des pastèques. Et c'est un problème parce que, du coup, les patterns n'étant pas énormément complexes, on est vite emmerdé parce qu'on a quand même une baleine à faire passer dans le chat d'une aiguille hein, pour caricaturer un poil. Et c'est souvent douloureux comme vous le voyez ici. Hein. Je veux bien les bonus, gars, ouais. Allez, meurs, sale sous-marin, même pas russe. Ouh. Il finit ce niveau. Bon, on va au suivant, puis on arrêtera là. On fera un petit débriefing. Parce que pour l'instant, bien que le jeu soit totalement sympathique, je vous avouerai quand même que côté passion, c'est pas parce qu'il est tard et que je suis un poil fatigué que je reste un peu froid devant ce titre. Il fait tout pour me garder froid, vu qu'il n'a aucune saveur originale, en fait. Comme beaucoup de copies, de copies, de copies, de copies. Comme hélas, on en mange dans tous les shmups. Oula, mon vaisseau se déplace bien trop vite, c'est une cata. J'arrive même pas. Je passe autour des. Pour en arriver à passer autour des bonus, c'est qu'il y a vraiment un problème de vitesse, quoi. Moi, je suis censé passer là? Merci les gars! Ce massacre! Il y a des petits passages du coup, quand on a cette difficulté en plus de la vitesse et puis du déplacement vaisseau un poil trop rapide, qui font que certaines patterns deviennent une vue d'esprit à passer plus qu'autre chose, parce que c'est pas très réalisable dans ces conditions. Je veux le mouton! Non, c'était quoi, un taureau? Je veux le singe! Oui, magique, formidable, extraordinaire. En fait, c'est le seul truc qui arrive à me passionner dans le jeu, c'est récupérer les petits items en forme d'animaux, ça. Vous l'aurez totalement compris. Game over? Non, pas encore. Je suis pressé du game over, là, les gars. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le jeu est tout à fait amusant. Mais voilà, il est amusant dans une certaine limite. Donc, il fera très très bien dans votre liste de collectionneurs avancés. Il fera peut-être un peu tâche, par contre, si vous voulez prétendre présenter exclusivement la crème des shoots. Et ne surtout pas caser dans les mauvais jeux, parce que bon, bah, quoi, c'est un très très bon jeu. Putain, j'ai encore le man qui a planté. Oh, c'est magnifique. Donc, Blue Hawk, c'est validé. Je fais une petite coupure stream et on enchaîne sur un autre shoot que je ne connais pas plus que vous, et on verra bien ce que ça a dans le ventre. A tout de suite. Oh, un plantage même.